ton aiguillon. Oh l'amour, où est ta victoire? Ce que nous appelons l'amour, ce n'est qu'un moyen de transport. L'amour n'est qu'une voiture qui nous aide à laisser ses commentaires. Pour saisir la vie éternelle, nous nous revêtirons les corps immortels. Dans l'au-delà, dans l'au-delà, dans l'au-delà. Kaka na goli, kaka
Voilà, nous saluons tous les amis, auditeurs, auditrices qui branchent radio de Debout 13-8 TV. Et une salutation vraiment spéciale à tous les auditeurs. Nom c'est David Sirai d'ordinaire qui toujours avec vous chaque vendredi à la même heure justement pour nous capables causer sous les écritures de la Bible. Yon livre nous dit qui c'est le livre des livres, yon n'a plus grand livre monde là. N'a profité saluer le monde entier, plus particulièrement amis qui suivent Radio Debout 13-8 TV, soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et Latrier et toute l'autre station de radio qui relayait émission ça. Notamment, nous gagnons quelques jours pour nous traverser avec une autre année que nous relayons année traditionnelle. Et comme à l'ordinaire, nous connaissons très bien, donc, on a parlé de la Bible, donc, généralement, donc, d'après l'histoire, donc, le mois de janvier, pas utilisé comme le premier mois de l'année, mais comme pour l'année traditionnelle que la majorité de nous connaît, donc, nous déjà souhaité toutes amies, et tout électe nou yo et yon bonne année 2023 et nou te déjà en succès, n'est-ce pas? Nou te déjà des hommes et des femmes bénis, donc n'ap rete béni, sauf que n'ap continué à expérimenter et grâce faveur, miséricorde et bonté créateur dans la vie. Et si nous t'apprenons à saluer, nous pas jamais capable de terminer tellement nous gagnons en pile amis. Donc, par contre, nous pas les citer non personne parce que ou en pile si nous t'a dit amis qui Brésil, donc nous saluons nous, espérant que Créateur continue et ouvrir yeux spirituels nous pour nous capables ouais grâce les faveurs bonté miséricorde li dans la vie. Amis qui Chili la même chose, amis qui aux États-Unis la même chose, amis qui Saint-Domingue et la même chose, amis qui Haïti, la même chose. Donc, yon béni, rit béni, quel que soit pays li appartenu. Yon béni, rit béni. N'est-ce pas? Yon béni, rete béni. Donc, yon béni pas capable de béni dans yon époque, et l'autre époque là, pas béni. Donc, yon béni, rit yon béni. Nous souhaitons que tout bien-aimé kap koute prend expression ça et marcher avec les yon béni ret béni yon béni ret béni que non capable continuer bénin et n'a continuer célébrer et son grand nom et c'est yon nom qui extraordinaire et le nom du créateur, n'est-ce pas? C'est un nom extraordinaire. Donc, c'est bon, nous n'avons pas un registre qui est enregistré quelque part. Jamais. Nous n'avons pas besoin de nom ça identique avec un autre nom. Notamment à travers le monde, il y a des milliers de monde qui ont le même nom. N'est-ce pas? Donc, mais le nom du Créateur n'est pas identique à aucun autre nom. Donc, c'est un nom qui est unique en son genre, n'est-ce pas? Donc, nous espérons au béni. Donc, continuez béni que l'année 2023
et capable toujours yon succès, yon bénédiction pour chacun de vous. Donc, je dis assez d'après calendrier traditionnel là. Donc, je dis assez 23 décembre, n'est-ce pas? Bien que dans le calendrier biblique, je dis à patadoué et 23 décembre. Patadoué, li patadoué le mois de décembre, n'est-ce pas? Donc, c'est toute une confusion. Donc, pour tout bien-aimé qui t'a remé, qu'on ait davantage spécialement les trois catégories de calendrier, nous déjà enseigné yo, yo sous Facebook, yo sous YouTube. Et donc, et nous encourager ou capable aller sous plateforme nan et sous YouTube et puis taper Radio Debout 13.8 TV et notamment ou va joindre un cours ça yo déjà dispensé. Bon, nous pas rentrer dans l'autre petit détail que nous connaît et monde là en business. Dès pour année mois de décembre rivé, donc yo fabriqué yon mythe, n'est-ce pas? Yo fabriqué yon mythe et yo poté yon Jésus baou. Yo dit y a fêté la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Donc ou a joine et en pile assemblée qui c'est petit et Babylone la grande a préparé pour fêter, n'est-ce pas? Ou bien y a fêté et gon paquet stratégique a fait pour le moment, stratégie 40 jours, n'est-ce pas, pour finir 31 décembre. Donc et puis un pile sacrifice a fait dans moment, sacrifice sous toute forme, sacrifice dans l'argent, donc il y a permettre ou sacrifier économie ou sacrifier temps, sacrifier même vie ou parce que l'on exposé vie ou pour aller dans des temples ou risquer surtout dans pays qui gagnait insécurité, n'est-ce pas? Mais il fait ou vivre yon mythe comme s'il était vrai, yon mythe qui pargue aucune réalité la donne. Donc nous même nous pas pral di ou et joyeux Noël, jamais nous pas jamais di ou joyeux Noël. Donc nous connaissons yon mouvement et que Babylone la grande, la mère des prostituées poté ban nous. Donc semaine dernière nous t'a parlé ou de Apocalypse chapitre 13. Donc, qui gagnait des expressions qui méritaient définies. Mais qui toujours était une casquette chinoise pour en pile la plupart de nous qui pas gagné en gros maturité, pas gagné, nous pas gagné en pile expérience dans livre là. Au contraire, livre ça gagné qui fait livre là yo idolâtrie pour yo nèg yo vini des idolâtres à travers livre là. Donc justement pour capable régler propre affaire yo. Donc nous toujours dire que idolâtrie pas seulement moun qui adore statue et qui adore yon statue et qui adore yon image qui idolâtre. Donc en pile là nous pote Bible là, nous c'est des idolâtres, n'est-ce pas? Et face à livre là. Vous comprenez? Au contraire, nous vénérer livre là plus passé créateur. D'ailleurs, nous pas gain aucune connaissance de créateur. Finalement, donc nous vénérer livre là, donc nous fait tout et ça qui pas bon à travers livre là sous prétexte donc c'est n'a servi ou bien et adoré vérer créateur, donc qui vraiment et qui archi faux. Nous t'ai montré dans Apocalypse
13. Et en dans Apocalypse 13, aider nous comprendre gagner 6 catégories de bêtes. Et chaque bête ça a un langage qui est approprié à qui. On a parlé de bêtes qui dans Apocalypse chapitre 13, on a parlé de bêtes des femmes ça. La femme qui était vertu de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, n'est-ce pas? Donc, on a parlé de femme ça, et elle tenait dans sa main une coupe d'or rempli d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc, l'en parler de bête dans l'Apocalypse chapitre 13, nous devons passer de dans Apocalypse 17. Et l'un sorti dans Apocalypse 17, ou besoin qu'on prenne Apocalypse 12. Donc, pour capable identifier bête là, ou bien pour passer dans Job 40, pour identifier bête là, faut passer dans Daniel 7. Donc, pour capable identifier bête là. Maintenant, Asoya, nous t'en faisons. Nous t'ai montré au grand plan Apocalypse chapitre 13 et qui pral bail toute prostitution ça yo dans les assemblées. Et la fois dernière nous t'ai dit que nous gagnions un gros problème pour nous relier assemblée ça yo église, n'est-ce pas? Il y a une grande différence entre l'assemblée et l'église. Donc, il y a une grande différence entre les assemblées et l'église. L'église, notamment que Messien t'a parlé, t'a déclaré à Pierre, il dit, je bâtirai mon église, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des églises, mais je bâtirai mon M-O-N église. Et adjectif possessif, je crois. Mon. Et pour identifier, il n'y a qu'une seule vraie église. Et l'église a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire l'église là pas capable frapper en aucune occasion. Donc en passant tout en assemblée autant de cap chasser des démons etc cap goumer la peur envahir sous prétexte ça, ce ne sont pas des églises, ce ne sont pas c'est pas un église, c'est pas la vraie église. C'est des mouvements qui fabriquaient, n'est-ce pas? Donc, pour intimider les gens, ça va parler les églises, ce sont des assemblées. Des assemblées, les capables d'une assemblée de bande de rara. Donc, ça sont assemblées. Ou capables d'une assemblée de carnaval. Donc, ça sont assemblées. Une assemblée de coquins. Donc, ça, ce sont des assemblées que nous sommes capables de parler de eux. Mais église, la vraie église, presque pas identifiée par les individus. Les rares, très rares pour vraie église là, identifiée. La vraie église que Messien t'a déclaré à Pierre, il dit, je bâtirai mon église. Et les décrit, et église ça, il décrit son église, il dit que les portes, quelle que soit porte là, que les portes, ouais, n'est-ce qu'on a crasé tête Satan, 40 jours chassé, démon, il dit
que vraie église, que les portes. Donc, son parabole. Donc, lui, automatiquement, quelle que soit circonstance là, donc, vraie église là, pas capable de croire dans l'autre puissance qui a frappé. Donc, le Seigneur, le Messie, avait parlé, avait déclaré que les portes du séjour des morts, n'est-ce pas? Que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Que les portes du séjour des morts. Ça veut dire, c'est pour l'église qui gagne pour mourir, ou l'église qui gagne pour faner, ou l'église pour perdre. Non, c'est l'église qui existait à toute puissance. Ce n'est pas ni pasteur, ni apôtre, ni évangéliste, ni quelle que soit la personne qui prend le bail, église à puissance. Donc, l'église là, il prend naissance à toute puissance. L'église là, identifiée comme et la toute puissance. Donc, pas gagner un rien qui est capable de frapper la vraie église. Tout mouvement où on a fait là, yo, donc c'est des mouvements, ils ont fait pas. Yo. Vous comprenez? C'est des affaires pas, yo, ne gyo ap regle, vous comprenez? Ti la mama yo, ti gendou la vet yo, donc pas gen aucun problème avec ça. Donc, bon. Mais, pas gen en rien à oué en ce qui a trait église. Église là, là seulement pour adorer, louer. Il pas gen rapport à absolument rien d'autre. Adorer et louer. Donc, ouais, même mouvement, nèg yo prend assemblé ça sous prétexte. Y a pe des moun. L'église n'a pas là pour ça. Non. L'église n'a pas là pour ça. Au contraire, yo la geno dans la médiocrité. Les vraies églises n'a pas là pour ça. Il pas là pour l'aider, bah, manger, non. Si n'a réglé à faire nous, et tant que moun non communauté, tant que moun nan yon zone, donc, nous c'est moun, nous c'est humain, socialement important. Mais l'église là, n'est que pas le chercher manger, et quand il n'en met blanc bay moun, tout ça c'est radote, c'est tintin, c'est bobine fil, c'est médiocrité davantage, donc, ça va exister dans l'église là, non, non, non. L'église va gen rapport ça. Al bay moun manje, al pran manje nan men moun. On se de moun ki... Alors, tellement nèg yo pa genyen yon dimension spirituel, yo pran manje nan men tout moun, ke l mason loge, ke l rosicrucien, ke l se yon pédéras, nèg yo pa kon a fè ou fè. Donc se moun yo bezwen intimide moun pou yo kapab la riche. Et on pas gain problème avec monde qui riche, moi même tout, donc moi croire dans richesse là, mais c'est pas dans genre de médiocrité ça. Donc l'église n'a aucun rapport dans ça avec mouvement ça, vraie église là dans histoire ça. Donc c'est comme ça. Donc une grande différence entre les assemblées et Église, n'est-ce pas? Nous t'ai dit déjà. Donc, en nous rentrer dans 6 catégories de bêtes, parce que, notamment, moi, je voulais que tu comprennes Apocalypse 13. Si vous ratez Apocalypse 13, c'est difficile pour comprendre la mère des prostituées. Et qui c'est bête là, qui c'est femme ça, hein, qui habillé tout de rouge là, qui gagne yon rat de plusieurs couleurs, etc. N'est-ce pas? Donc, ou la difficile pour comprendre. Et non ça qui n'a qui écrit
dans front femme nan. Mais tout les m'a parlé de femme, de bête, c'est des expressions symboliques qui oyé. Donc c'est pas des bagailles et visiblement réellement existé pour algen yon nom qui écrit nan front yon femme etc. Même Jean la marque et la bête, c'est pas yon marque littéralement existé. Donc majorité nan nous prend la Bible d'une manière physique et dans manière physique là, ça permet nous gagnons langage, nous pral nan ciel. Vous comprenez? Qui c'est un mauvais, un très mauvais langage. On pral passer 7 ans dans le ciel, yon très mauvais langage. On pral passer 1000 ans à Jérusalem, yon très mauvais langage. Satan pral mari pour 1000 ans, nous prend Apocalypse 20, nous dit Satan pral mari pour 1000 ans. Donc nous prend Satan sous yon domaine, dans un domaine, dans un aspect littéral. Donc c'est comme quoi gon bagay qui pral mari avec un gros code fait. Non, mais bien aimé. Donc yon induit nous en erreur, en retourner à zéro. Et puis choisi garder des hommes et des hommes qui gagnent des expériences qui pour aider nous comprendre la Bible. Voyons, donc c'est du prième pour bien-aimé ça. Donc la difficile pour comprendre Babylone la grande qui c'est femme là, qui c'est bête là, qui c'est doctrine là. La difficile pour nous comprendre la mère des prostituées qui c'est Babylone la grande là et qui c'est des abominations de la terre. Donc la très difficile pour nous comprendre. N'a pas une pause et n'a pas tourné pour nous présenter 6 catégories de bêtes. Les branches n'a pas tourné. Je verrai pas Stanjibango plus. Je m'attends qui m'attend dans l'au-delà. Je reverrai le révérend Mapolo là-bas. Je m'attends qui m'attend dans l'au-delà. Je reverrai Alphonse mon époux. Je m'attends qui m'attend dans l'au-delà. Je reverrai Claude Mutoka. Je m'attends qui m'attend dans l'au-delà. Je m'attends. Je m'attends qui m'attend dans le déjà. Je m'attends qui m'attend dans l'au-delà. Voilà, nous retournons pour 6 catégories de bêtes. Est-ce que vous prêtez pour ça? Vous comprenez? Ou pas seulement qu'on est la marque et la bête, mais sans que vous pas fait une étude approfondie à travers l'écriture. Même là, vous êtes capable d'aller au-delà parce que vous devez grandir au niveau avec une dimension qui est purement spirituelle. En aller garder catégorie de bêtes qui existaient à travers et Apocalypse chapitre 13. En aller dans Job 40 et passage 20. Job 40 passage 20. Et Job 41 et passage 25. Donc, première bête que nous trouvons de qui rapproche de Apocalypse chapitre 13, c'est dans Job 40, 20 et puis Job 41 et 25. Bête ça, y aurait l'île Léviathan, n'est-ce pas? Donc, qui gagnait ressemblance
à même type de bête qui a parlé dans Apocalypse 12 qui a parlé de dragon. Nous pas l'expliquer ou kemio. Donc vous pouvez le comprendre mais notamment pas le comprendre kemio dans le sens littéral son bête réelle non. Sous elle là donc ou elle perdu dans étude là. Donc parole comme ça c'est pas un aspect littéral mais c'est un aspect un langage spirituel. Bon dit nous causer. Avant de prendre deuxième catégorie de bête là. Là parler de la Bible. En gros identifier la Bible et on va parler de créateur, celui qui a créé toutes choses. Celui qui a mis toutes choses en évidence. D'accord. Maintenant automatiquement on va parler de ça ou pas qu'à identifier avec des choses physiques. De quoi parler de créateur, ça veut dire ou sorti de corps ça. Ça veut dire même physique là, physiquement, moi devant studio, donc physiquement moi dans station, physiquement donc moi gon casse dans oreilles etc. Donc physiquement gon c'est des bail qui physique. Mais là parler de créateur c'est complètement différent. Ça veut dire ou traverser dans un autre monde, c'est même genre la mort. Le nous là physiquement nous exister. Le nous mourir par exemple, on prend langage mourir. Langage mourir ça veut dire nous quitter corps ça séparé de nous. Donc kounya len vrai nous-mêmes séparé de corps. Vrai nous-mêmes séparé de corps. Donc ça veut dire nous traverser dans un autre monde. Monde ça son monde physique, physiquement identifié. Maintenant le nous-mêmes comme électés, des sauvés dès avant la fondation du monde, des bénis. Donc automatiquement nous quitter corps, ça veut dire nous traverser dans un autre monde. Monde ça purement spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pas pas manger du riz sauce poivre viande encore. L'aime traverser dans un autre monde, ça veut dire quoi? Moi pas pral n'en prend plaisir ak femme encore. Well? On pas pral n'en chercher madame ni ménage ni prend plaisir encore. Ça yo c'est là si n'a prayo nous prayo là si plaisir là gain pour prendre la prend là mais automatiquement nous traverser nous quitter corps donc vrai ou maintenant pas prend plaisir ça encore par exemple la maladie les physiques ou malade, ça veut dire qu'il y a un virus à travers le monde. Là, nous sortons prendre un coronavirus à travers le monde. Nous frapper, ça veut dire qu'on frapper. Mais vrai ou même n'a pas frappé. Vrai ou même n'a pas qu'à malade. Vrai ou même n'a pas qu'à mourir. Vrai ou même n'a pas qu'à paralyser. Vrai ou même n'a pas capable yon bébé. Vrai ou même n'est pas capable gain DGPT DGOPT vrai ou même n'est pas capable gain pied coupé vrai ou même n'est. Tout ça yo pied coupé main coupé GPT et moun qui soude moun qui paroi etc. Tout c'est dans monde physique là est-ce que vous comprenez donc l'homme sorti dans corps ça veut dire m'a pralé dans un autre monde. Ça veut dire l'autre monde là gain propre langage li. Ça veut dire pendant me sous terre, moi gain capacité pour me commencer expérimenter vrai langage que me pral gagner dans l'autre monde là. Monde invisible là. OK? Maintenant, on a dit, première bête là, deuxième bête. Deuxième bête là, c'est dans Daniel 7,
Daniel 7 et 7 et 8. Daniel 7, le texte a dit, donc, bête ça, c'est une bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Ouais, Daniel 7, 7 et 8. Et bête ça, prophète Daniel décrit, c'est une bête qui est terrible, l'a défini, c'est une bête qui est épouvantable. C'est une bête qui extraordinairement forte. OK. Maintenant, bête ça, li gagne des dents de fer, bête là. Li gagne non seulement des dents de fer, mais et 10 cornes. Et à travers des dents de fer et 10 cornes, li gagne une petite corne en suppli. Donc, non seulement il y a des dents de fer et 10 cornes, mais il y a une petite corne qui va même grosseur à l'autre corne. Donc, qui sortit dans mi-temps l'autre corne. Ou abjoigné dans Daniel 7, 7 et 8. Nous, dans Apocalypse 13, n'a défini 6 catégories de bêtes. Et troisième catégorie de bêtes. Troisième catégorie de bêtes, n'a joigné dans Apocalypse 12 et passage 3. Apocalypse 12, 3. Donc, il parlait de yon bête qu'on appelle le grand dragon. De fer, de feu, le grand dragon de feu. Ouais, de temps en temps, nous gardons bêtes qui ont changé de d'image. Ça veut dire, la prend ou l'autre image. Mais toujours la même bête. Dans Apocalypse 12, passage 3, il y a le grand dragon de feu ayant sept têtes. Et 10 cornes. Bête qui n'a Apocalypse 12, 3. Il y a le grand dragon de feu qui gagne la donne. Les gagnants, 7 têtes. 7 têtes. Le grand dragon, pas oublié. Le m'a parlé de la Bible, c'est pas un bagage littéralement existé. Donc, qui gagne 7 têtes et 10 cornes. Et sept diadèmes sur ses têtes. Ouais. Ça, c'est troisième catégorie de bêtes. Quatrième catégorie de bêtes, là. Nous voulons parler de la même bête et qui est dans l'Apocalypse 13. La même bête. Mais seulement, de temps en temps, ou après bête, l'a changé de forme. Donc, nous pourrons comprendre ça dans la dimension spirituelle. Quatrième bête. C'est dans Apocalypse 13, 1 et 2. Apocalypse 13, 2. Quatrième bête. Le quatrième bête, là, c'est la bête qui sort dans la mer. La bête qui sort dans la mer, qui gagnait sous tête, lui gagnait sept têtes. Qui est approprié avec bête qui n'a Apocalypse 12 là, 7 têtes et 10 cornes. Nous jouons 10 cornes à répéter dans Daniel 7. Nous jouons 10 cornes à répéter dans Apocalypse 12 et répéter encore dans Apocalypse 13. Bête ça, 4e bête là, ayant 7 têtes et 10 cornes et 7 diadèmes. Et nous joignons cette diadème ça répété dans Apocalypse 3, dans Apocalypse 12, 3. Donc, nous joignons répété encore, diadème ça répété une deuxième fois, et cette diadème et 10 cornes dans Apocalypse 13, et sur cette tête, parce qu'il y a plusieurs têtes, cette tête,
un nom de blasphème. On va souligner les expressions et on va les expliquer. Ndare mon chita comprendre pour pas courir et justement pour pas comprendre terme. Maintenant nous dans Apocalypse, nous dans cinquième bête là. Cinquième bête là, nous joignons dans Apocalypse 13, passage 11. Apocalypse 13, nous joignons. Il y a une bête qui sort de la terre. Pas oublier, il y a une différence. Gayon qui sortit de la mer, Gayon qui sortit de la terre. Donc, ouais, différence, on va faire étude. Faut vraiment prudent dans l'enseignement. Donc, cinquième bête là, il y a une bête qui sort de la terre ayant deux cornes. Et l'autre, il y a 10 cornes. Nous, ça a gagné deux cornes semblables à celle de l'agneau et qui parle comme un dragon. Bête ça, oui. Bête ça a gagné deux cornes et comme ça, il y a une ressemblance avec un petit agneau. Un petit agneau. Et bête ça, qui sortit de la terre là, lui parlait tant qu'un dragon. Et nous joignons et dragon dans Apocalypse 12, 3. Le grand dragon de feu. Ok, voilà. Nous dans cinquième catégorie de bêtes. Sixième catégorie de bêtes pour terminer, pour montrer ou pour expression yo. Et Napchita dans le livre Apocalypse, justement, pour capable gagner dimension. M'a fait ça pour électer mieux, pour Zami qui de près, de loin, qui coûte et Radio de Bretagne TV. Apocalypse, sixième bête là, c'est Napjoueni dans Apocalypse 17. Et Ndaremen lit Apocalypse 17, 1er à 8 là. Très important. Bon, mais de comprendre et Apocalypse 17, 1er à 8. En l'île. Puis, un de sept anges qui tenait les coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Voyons, toujours n'a parlé des bêtes là, n'a parlé des femmes là, mais là n'a parlé des bêtes, c'est pas un bagage qui littéralement existait. OK? C'est des paraboles, des métaphores qui besoin expliquer d'une manière spirituelle, qu'a passé. Parce que la Bible à 99% c'est langage jargon. Combien de monde qui connaît jargon, qui parle jargon yo. Donc c'est un livre qui a une expression ça yo. Donc c'est un livre de 99% qui parlait de donc parabole qui identique avec vie spirituelle. Pas gain aucun rapport avec des choses littérales. Notamment, lui qui apprend des choses littérales, soit elle prend des choses littérales, c'est justement pour l'expliquer des aspects spirituels. Mais pas aucun rapport entre spiritualité et littéralité. Ok. Passage premier, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Passage 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Passage 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Donc,
voyons, l'emdine que pas gen aucun rapport de l'aspect charnel, l'aspect physique. L'on parle de la Bible, bien que des choses paraissent visiblement exister, répétées, etc. Mais l'on prend physique, la difficile pour comprendre. Ça veut dire, soit mène une vie spirituelle, donc les choses physiques expliquent en parabole vie spirituelle. Voilà. Donc, Jean, qui était l'un des apôtres, l'y inspirait pour le dire. Il me transporta en esprit. Ça veut dire créateur permet Jean capable inspirer pour l'expliquer histoire ça yo. Pour l'expliquer fausse doctrine ça qui relait et Babylone la grande là et qui c'est la mère des prostituées et qui c'est qui remplit d'abominations, qui remplit des impuretés de sa prostitution, etc. Donc, Jean, l'apôtre, a inspiré de ça. Il dit, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Nous sommes présentés plusieurs catégories de bêtes là, mais toujours la même bête, mais qui prend. C'est un, combien de monde qui consacre les caïmans? Caïmans, c'est une bête ou qui apparaît sous lui, l'autre ou elle, l'autre vert. Et puis l'autre vire les yeux ou elle noire. L'autre vire les yeux encore ou elle blanc. Donc, type de prostitution, ça y est, il existait dans les assemblées. Donc automatiquement ou assemblée yo pa gen yon doctrine qui propre à yo. Donc majorité assemblée yo dérivé de yon doctrine qui sorti de yon lot de yon doctrine que nous relé Babylone la grande, la mère des prostituées, etc. Li découlé qui bail tout type d'assemblée ça y a à travers le monde, mais de temps en temps où elle change forme. Bon exemple, ou dans moi ça là ou après puis faut assembler changer net. Il gen bagay a célébrer Noël et la trier mouvement qu'a fait avec des bêtes l'a changer de plumage au moment changer puis faut pasteur yo pas gon ligne spirituelle yo men en vrai, mais yo tant coup des caïmans qui changer de couleur à tout moment. Dans le mois, ça a autant de 40 jours, son couleur, il bon langage. Dans l'autre mois, il dit qu'il peut craser la tête de Satan. Dans l'autre mois, il dit tête de Satan craser. Dans l'autre mois, encore, il dit Satan récampe encore, il faut craser la tête. Donc, c'est ce type de pasteur que nous gagnons dans les assemblées. Donc, il prend plusieurs formes avec une doctrine qui sortit de l'assemblée catholique. De l'assemblée de la grande de Babylone la grande, donc il y a pas appliqué. Ou après majorité de dit yo gon point commun pour capable identifier yo gon seul point commun. Ou après Baptiste là gon dit en trois personnes que l'a pas adoré. Ou après Adventiste là gon dit en trois personnes l'a pas adoré. Ou après Témoin Jéhovah gon dit en trois personnes l'a adoré. Al Miami pi fort grande assemblée ouais. Tout se yon di an trois personnes. Et tellement soit le Boston, New York, ou apoué, tout se yon di an trois personnes, y a pas doré. Mais yon chaque après régler affaire par yon, yon pas en harmonie à l'autre. Gros bagay, oui, m'abdou là. Yon pas en harmonie à l'autre. Mais tout di ou, point commun yon sorti, Babylone la grande, c'est Babylone la grande qui introduit yo doctrine ça et automatiquement doctrine ça introduit ou après yo nan flat bouche là en pile de porte en porte ou est assemblé de porte en porte soit le Canada ou après assemblé de porte en porte soit l'Haïti ou après assemblé de porte en porte yo gon point commun mais yo change
yon, c'est comme assemblée ça c'est yo pired. Au contraire, c'est yo qui introduit leader politique ça ouais nous gen la yo. Majorité leader politique qui pas bon conviction. On le ou elle nan tel parti, on l'autre le ou elle l'autre parti. Et pourtant, yo gon seul point commun, yo toujours du pays. Mais même genre la religion gon point commun c'est on dit en trois personnes. Yon Dieu en trois personnes, c'est doctrine l'assemblée et Babylone la grande. Yon Dieu en trois personnes, c'est doctrine la mère des prostituées. On croit comprendre. Yon Dieu en trois personnes, c'est la femme qui était vertue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Voyons, donc c'est ça religion yoyé. Donc yo changer couleur, yo gen plusieurs langages. Le ou on voulait comprendre tel mouvement, yo changer le. Vous comprenez? Yo changer le. Ouais, mouvement ça yo bon mouvement, c'est tout de Jéricho, l'autre moi yo bon l'autre mouvement. Ça veut dire ou pas ka identifier ou pas gon ligne. Yo changer sous à tout moment, yo gen des langages flatteux. Voyons, des paroles flatteuses, yo kon comment pour yo et induire en erreur. Et ou pas prendre compte ça. Voilà. Maintenant, on fin li pour 6e bête là. Apocalypse 17, passage 3, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, ouais, une femme assise, c'est assemblée, yo. C'est la grande, c'est Babylone la grande, c'est la mère des prostituées, c'est bête là qui chita nan mitan assemblée avec propre doctrine ça. Et doctrine ça, ou ka reconnaître facile. Pi fort doctrine, pi fort religion, yo gon diable, yo gon tête diable y a crasé sans fin craser. Craser l'année ça, l'autre année tête diable apparaît pi gros. Ça veut dire pas jamais fin craser tête diable là. Donc doctrine ça c'est une doctrine qui fragile. En allez. Pleine de noms de blasphème ayant sept têtes. Femme nan oui. Une femme assise sur une bête et bête là, une bête écarlate pleine de noms de blasphème et bête là gagne sept têtes. Nous joignons dans plusieurs lots de bêtes, sept têtes et 10 cornes. Passage 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Passage 5. Sur son front était écrit un mystère. Qui s'allie, l'a écrit Babylone la Grande, virgule, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Passage 6, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins du merci. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et Jean, inspiré, l'a inspiré à l'extase pour dire, je fus saisi d'un grand étonnement. Passage 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme.
et de la bête qui porte et qui a les sept têtes et dix cornes, passage 8, la bête que tu as vue était et elle n'est plus la bête, voyons, la bête que tu as vue était, qui était là, nous pas bien pour nous rouer encore. Et ça commence à arriver. Bête là commence à détruire. Finalement, il était pleinement menti. En pile moun, il commence à comprendre que la religion a bayo menti. Il commence à comprendre. En pile moun commence à sortir grain par grain. Il commence à rouer réalité. Ya. Et maintenant, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Ça qui passe. J'ai expliqué. Maintenant, le créateur a tes besoins présenter dimension spirituelle. Le créateur a un pouvoir pour lui. Identifier ou pour il faut identifier ou comme élu, électé, sauvé dès avant la fondation du monde. Gon l'autre groupe créateur a pas permettre yo identifier yo c'est son pour yo des sauvés, des électés, des bénis dès avant la fondation du monde. Donc qui pral marcher avec Betsa. Jean dit le clair, il dit ce don. Le nom, c'est pas le nom de David, le nom de Jacques, le nom de Pierre, le nom de Ricardo, le nom de Grégory Toussaint, le nom de etc. Et non, c'est pas non ça. Le ce dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie, spirituellement. Ou pas créer ou même pour adorer créateur, c'est là le problème non? Spirituellement ou pas identifié ou pas dans la liste pour adorer créateur, ça veut dire non bon moment crivé, ça veut dire gain de moun qui pas comprendre réalité ça yo, donc il y a toujours dans les assemblées idolâtre ça yo. Il a toujours tombé dans les assemblées idolâtrices. Donc, il n'a pas comprendre la réalité. Ça veut dire, le vrai message là, a déclaré, propagé à travers le monde, donc il n'a pas comprendre. Mais, si là, il y a que non, il y a écrit dans le livre, ou bien... Non, il écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies. Donc, yo même, yo pas gagné pour ébranler de ça qui a passé dans moment là. Parce que son prophétie faut accomplir quand même. Mais pour si là yo qui pas non écrit dès la fondation du monde, il a gagné pour yo étonner ouais Jean bête la page. Il a étonné pour yo ouais comment bête là a comporté et bête là quitté là. Et pral gon mouvement
l'a disparaître, l'elle dit l'a disparaître, ça veut dire hein, l'a disparaître pour certains que non écrit dans de la fondation du monde. Ça veut dire gain en pile bagarre religion fait. Ou mettre bat tambour, fait jazz, il pas étonné. Moi elle pas étonné. Pas grand rien qui va l'étonner, mais encore gain en pile bagarre ou mettre fait jazz, fait monde danser, etc. cetera, mander toute sorte gagner, fait il pas étonné monde, gain monde qui pas jam bailler offrande de Salomon, qui pas prendre corbio pour y bailler 10% dans corbio qui te foyer à l'ange jeune veille de nuit, font pas qu'être macacri, et cetera, à prier, à fêter la Noël. Moun ça va pas la donne. Non, yo yo wè clair, bête la disparaît pour yo. Maintenant, bête la gen la dan yo qui pa gen compréhension, qui pa gen capacité pour yo comprendre réalité. Hein? Donc, bête la préparait parce que sous patan de message, ça nous propager. Ça on va le rete avec bête la konya. Mais tout autant lumière ça là sur les ondes la propager parole là donc et pour certains bête la disparaît mais sous pas tant des messages là pour sortir dans assemblée prostituée ça yo pour comprendre ces deux bagailles planifiées des bagailles que nèg yo et fabriqué pour vous donc bête la toujours là et pour faire grimace, craser tête diab, chasser des morts, font tas de choses, et tandis que, gen moun, qui pas même qu'on parle de créateur, même qui pas même n'en chasser aucun démon, qui vivent. Pas aucun rapport dans question domaine ça, dans domaine social, etc. Nèg yo vin avec bagala socialement, physiquement, nèg yo montre yo vin à couteau, yo habillé en chef, en soldat, pour yo chasser des morts, pour yo dire yo c'est soldat dans l'armée Christ, etc. Yo wè bagala physique. Comprenez? Yo tellement wè le physique, le yo mando tel bagay pour faire sacrifice nan pour faire sacrifice dans finance ou faire sacrifice dans vie ou etc. ou pas faire les binèg yo du condamné ou yo vin avec yon condamnation pour yo pote ba oui bagay sa yo existé donc yo capable intimider ou. Merci à tout bien-aimé qui t'a écouté plateforme radio de Bretrezuit TV donc nous espérons nous présenter aux 6 catégories de bêtes à la prochaine fois, nous allons venir avec des expressions pour nous définir pour qui sac bête ça, qui c'est le Léviathan, qui sac bête là, qui c'est le dragon de feu là, qui sac bête ça, qui sorti dans la mer là et bête qui sorti de la terre là, bête ça et etc. On t'a des bêtes, nous allons venir avec des expressions et nous allons placer pour dans dans contexte spirituel yo pour capable ouais vérité. Merci à tout le monde, souhaitez ou une très bonne soirée et pas oublier nous des bons exercices leur besoin sorti dans la religion donc pour qu'à font période nous des bonne période de 1 mois 3 mois fait expérience ça font bail assemblée ça yo vague et puis yo ou ap vin wè clair, ou ap vin gen le bon discernement pour comprendre que messieurs sa yo utilisent une doctrine et doctrine sa gagnen pour tout pizi nous tout autant nous pas wè réalité ya. Donc merci à nous toutes, c'était zanmi ou David Siray. Passe un bon moment et à la prochaine. Bye bye tout le monde. À la fois divisée.